L'ONG Le Samaritain, structure de droit français, a décidé de s'occuper des malades mentaux. L'information a été donnée par les responsables de cette ONG lors d'une conférence de presse le vendredi 15 janvier 2021 à la maison de la presse au plateau. La présidente Adou Elisabeth Zorobabel a donné des raisons de la prise en charge de ces malades mentaux, plus communément appelés fous. Pour mener à bien leur politique de prise en charge, il est prévu la construction d'un centre dénommé Centre Les Restaurés de Garda, dont la pose de la première pierre aura lieu en avril 2021. Fondée en 2020, l'ONG, qui a pour devise redevenir citoyen, intervient auprès des personnes vulnérables dans l'incapacité d'avoir une vie normale. Elle œuvre pour le bien-être des personnes vivant dans une précarité sociale, matérielle ou sanitaire.